Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit DIY homemade. Je vais réaliser un masque capillaire nutri-réparateur simplissime. Je me suis inspirée de cette recette sur le site d'Aromazone. Celle-ci, hyper simple à réaliser et qui est efficace, réparateur, hydratant. Enfin, c'est un masque que je fais depuis un petit temps maintenant. Je l'adore. Pour ce faire, il nous faudra l'huile de coco. Celle-ci, je l'ai trouvée dans mon magasin bio. Vous en trouvez sur le site d'Aromazone. J'utiliserai aussi de l'émulsifiant BTMS, de l'eau minérale, un conservateur qui est le CoSGuard. Avec ce que je viens de vous citer, vous avez un très bon masque. Vous avez un très bon masque réparateur. Néanmoins, je vais ajouter des actifs supplémentaires, dont la phytokératine, qui est un fortifiant et nutritif. Je vais également ajouter de la kératine Protect, qui est un protecteur et réparateur. Les ingrédients que je vous cite, vous les trouverez sur le site d'Aromazone. Je vais également ajouter un complexe d'hydratation intense qui est un hydratant. Et le dernier actif, le Maca Vital qui est un stimulant et anti-chute pour un contenant de 500 ml. Donc j'ai mesuré mon BTMS, mon huile de coco et mon eau. Je vais faire fondre mon huile de coco et mon BTMS. Je vais également chauffer mon eau minérale. Ma phase huileuse et ma phase aqueuse sont chaudes, sont toutes deux à même température. Je verse dans un saladier puisque c'est une grande quantité et j'ai envie d'être à l'aise pour remuer. Ensuite, je verse un tout petit peu et je vais remuer. C'est un masque qui est hyper facile à réaliser. Ça prend 5 minutes. Donc on verse la phase aqueuse, l'eau, petit à petit dans la phase huileuse et on fouette. Donc ensuite en incorporant le CoSGuard, mon masque capillaire est terminé. Mais moi je vais ajouter, comme je l'ai dit, d'autres actifs. 5 g de phytokératine. Je mélange entre chaque ajout, sachant que je peux mettre jusqu'à 5% de kératine Protect pour une base de 500 ml. Je vais mettre 150 gouttes. Le Maca Vital, je vais mettre 15 gouttes. L'hydratation intense, je vais en mettre 15 gouttes. Ensuite, le conservateur, 88 gouttes. Je remets tout ça. Et c'est prêt. Donc, je vais mettre en pot, bien onctueux. Il est encore un petit peu chaud, je vous rassure, il va durcir quand il aura refroidi. Merde. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez remplacer l'huile de coco par du beurre de karité si vous voulez. Je l'ai déjà fait. J'avais plus d'huile de coco, donc je l'avais remplacé par du beurre de karité, par un tout autre beurre, si vous voulez, beurre de mangue, beurre de cacao, faire un mélange de beurre et d'huile. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu avec ce masque capillaire Nutri-Réparateur. Je peux vous assurer que c'est une tuerie. Hydratant et réparateur vaut largement le masque Shi que je payais 45 euros, il me semble, et qui était réparateur pour cheveux très abîmés. Je peux vous garantir qu'il vaut largement le masque Shi. Je suis absolument conquise avec cette préparation où on va utiliser très peu d'ingrédients parce que vous aurez très bien pu vous arrêter avec l'huile de coco, l'émulsifiant BTMS,
l'eau minérale conservateur, parce que j'ai déjà testé et il était déjà très bien. J'ai voulu ajouter des actifs pour corser un petit peu le tout et avoir un masque ultra réparateur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!